L'affaire Amber Heard et Johnny Depp continue de faire énormément parler sur tous les liens britanniques, anglophones et tout ça. Et mine de rien, je trouve qu'il est très peu suivi en France, ou surtout très peu médiatisé et très très mal suivi par les journalistes qui se contentent d'articles de quelques lignes alors qu'il y aurait tellement à dire. On a fait déjà deux vidéos dessus, je vous invite à aller les regarder si vous voulez voir à peu près le début de l'affaire et savoir où on en était arrêté. Et je suis tombé sur un fil Twitter qui résume et qui suit l'affaire assez activement et c'est assez intéressant, c'est bien documenté et on va remonter son fil pour voir à peu près tout ce qui s'est passé depuis ces derniers jours autour du procès Johnny Depp, opposant Johnny Depp à Amber Heard. Ce qu'il faut savoir, c'est la dernière semaine du procès. Beaucoup disent que la très mauvaise gestion de ce procès par Amber Heard aurait carrément tué, mis fin au mouvement MeToo. Et c'est le fil Twitter de Kunta van den Kinte. Kunta Kinte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... alors, du coup, en serbe, c'est Koren. Alors, c'est une série que je regardais. Oh, j'ai dû la regarder 35 fois avec ma grand-mère. Elle était ultra fan de cette série. Qui s'appelait Koren. Du coup, on peut traduire ça par quoi? Par Racine? Ça doit être Racine. Enfin, tapez Kunta Kinte sur Google, vous trouverez dessus. Vous tomberez dessus. Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard reprend aujourd'hui, le 16 mai. Comme je vous l'ai déjà dit, allez regarder les vidéos, les liens, et sont dans la description pour voir ce qui s'est passé avant le 16 mai. Amber Heard continue à être synchro au niveau vestimentaire avec Johnny Depp, ou c'est un hasard. Elle connaît parfaitement l'audio, mais regardez comment elle fait semblant de sursauter devant le jury. Dans l'audio, Amber Heard reproche à Johnny Depp de faire comme elle et de l'enregistrer. Écoutez ça. When you said to me that you didn't feel like you were told when I was recording you, so please stop. You didn't. Please stop. You did not tell me. Please stop. Fucking acknowledge what I'm saying before you keep making demands. You are not a school teacher. Shut the fuck up. Listen to me, and then you can fucking respond. Et moi, j'ai envie de dire, comment ils ont pu continuer à l'engager en tant qu'actrice? C'est assez fifou. Elle cherche à désamorcer avant les questions des avocats de Depp. Amber Heard, après avoir nié consommer de la drogue et fait passer Johnny Depp pour un junkie, elle admet en avoir pris et considère que c'était une mauvaise idée. Ah oui, maintenant c'est... Entre ce qui est... C'est compliqué dans un procès, généralement, t'es censé dire la vérité parce que sinon, bah, l'adversaire te déboîte. Et de revenir sur des jugements, c'est super chaud. Meuf, t'as chié sur le lit. Ah oui, elle avait fait caca sur le lit. Est-ce que vous vous êtes déjà assez engueulé avec une de vos copines pour qu'elle en vienne à faire caca sur votre lit en guise de représailles? Alors, ça compte pas si elle fait caca sur vous, ça s'appelle un jeu sexuel, et ça vous regarde. Quand on demande à Amber Heard à propos du caca, elle répond qu'elle ne trouve pas ça drôle, et ce n'est pas ce qu'une femme adulte fait, et elle n'était pas d'humeur à faire des blagues pendant cette période-là. Ah, c'est pas une blague. Elle l'a fait en représailles, du coup. Pour justifier le caca sur le lit, Amber Heard accuse le chien de Johnny Depp. Elle affirme que l'animal avait des problèmes d'estomac après avoir ingéré du cannabis. Alors... So she had some control issues, hence why we would. She liked to burrow in the bed. She liked to be in the, you know, by the foot of the bed underneath the covers, and it was customary that they slept in bed. It happened in bed too. But that bed with the dogs, and I didn't notice anything, but we left them C'est in the pas bed while we spécialement packed the intéressant quand elle bag. parle, mais ce qui est intéressant à noter, c'est on fait la différence entre un caca humain et un caca de chien. Had been involved in a prank gone. Mais il y a d'autres passages, vous allez voir, qui sont assez croustillants. La pauvre, il l'a défigurée avec le téléphone. Amber Heard témoigne que ses photos sont celles après l'incident où Johnny Depp l'aurait frappé avec son téléphone le 21 mai 2016. C'est la nuit où la police avait signalé qu'elle n'a vu aucune blessure visible. Là, là. Toutes les preuves qu'avance l'équipe d'Amber Heard sont bidonnes, et je pense que l'avocat de Johnny Depp le sait vu son humeur.
Son avocat, il a l'air vraiment... ça va être cool. Elle fait tout ce qu'elle peut pour rattraper ses mensonges. Le coup d'œil rapide et le sourire de Johnny Depp pendant qu'Amber Heard dit que ce n'est pas le même modèle de palette de maquillage qu'elle utilisait. Il est où le coup d'œil rapide de Johnny Depp? Il est là? Ah oui, ça doit être ça. C'est pas celui-là. Ensuite, à propos d'Aquaman 2, Amber Heard vient de dire qu'elle s'est battue pour rester dans le film car il voulait prendre des distances vu sa situation avec le procès de Johnny Depp. Au final, on lui a demandé un script où elle ne ferait que quelques apparitions. Et ça aussi, elle se fait déboîter juste après, vous allez voir. Avocate, Johnny Depp ne vous a pas regardé une fois pendant ce procès, n'est-ce pas? Sûrement. Vous savez exactement pourquoi Monsieur Depp ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Oui, je le sais. C'est pour ça qu'il ne la regardait pas. Il est dégoûté d'elle, on a l'explication. L'équipe de Johnny Depp diffuse l'audio où Amber Heard, en pleurant, lui demande un câlin, et lui, en colère, lui dit qu'elle ne reverra plus ses... C'est quoi? You don't like fucking looking at not my fucking eyes? You will not see my eyes again. C'est ça les emojis, elle ne reverra plus ses yeux, parce que moi j'aurais terminé la phrase tellement différemment. Tu reverras plus mes couilles, enfin j'en sais rien, pas ses yeux. Avocat de Johnny Depp, vous ne pensiez pas qu'il dirait au monde qu'il est victime de violences domestiques, n'est-ce pas? Je pensais que ce serait dingue pour lui de dire ça. Elle fait des mouvements extrêmement bizarres hein, quand elle parle. Vous avez dit avoir été violée avec une bouteille en Australie? Oui. Et vous avez dit que vous saignez du vagin, n'est-ce pas? Oui. Et il n'y a pas de dossier médicaux pour cela? Non. C'est peut-être Wolverine. Hein. Enfin, généralement, si tu saignes à des endroits un peu compliqués, tu cours aux urgences, quoi. Le nombre de nouveaux followers de Johnny Depp sur Instagram continue de grimper. Pendant que l'on montre le couteau au jury, l'avocate de Johnny Depp demande à Amber Heard pourquoi offrir un tel couteau à Depp si pendant cette période elle affirme qu'elle était alcoolisée et violente. c'est pas faux. L'équipe de Johnny Depp montre au jury une lettre d'Amber Heard où elle s'excuse de son comportement et les souffrances qu'elle lui fait subir. Il lui a demandé une lettre. Et elle l'a fait. Amber Heard confirme avoir prévu... ce que je comprends pas, c'est au fur et à mesure, c'est pourquoi ce procès dure aussi longtemps, tellement il est catastrophique pour Amber Heard. Amber Heard confirme avoir prévu de prendre de la drogue pendant son mariage. Ensuite, l'avocate de Johnny Depp lui demande « Vous aviez donc l'intention de prendre de la drogue avec une personne qui a des problèmes d'addiction ?» L'avocate de Johnny Depp demande à Amber Heard si c'est bien elle et James Franco qui montent dans l'appartement à 23h alors que Depp n'est pas en ville. Et évidemment, elle met le doute sur l'heure, donc on remet la vidéo pour confirmer au jury. Et donc on a exactement 23h. L'avocate de Johnny Depp, après avoir diffusé les textos d'Amber, suppliant Depp de revenir, lui dit que c'est bien elle qui le harcèle au téléphone pour qu'il revienne, mais elle explique que c'est pour éviter qu'il se drogue. Johnny Depp qui se marre quand il entend l'avocate d'Amber Heard essayer d'imiter sa voix. Attends, quoi? Alors j'ai pas tout vu, hein, je découvre moi aussi en même temps. Why Mr. Depp won't or can't look you in the eye? And she read out, or she played a tape in which Mr. Depp said, you will not see my eyes again. Do you recall that? I do. And that was during my Mr. Mais pourquoi? C'est quoi cette avocate? Ils essayent tellement en fait de théâtraliser alors que c'est une avocate, elle doit juste donner le truc cru, le plus cru possible. C'est ridicule. Alors je suis désolé, hein, les sons sont vraiment très bas. Il faudrait que j'essaie de les booster pour les prochains. Mais je suis au maximum, mais les sons sont vraiment très bas des enregistrements. Meuf, tu n'es plus crédible. Interrogée par son avocat, Amber Heard dit
que Johnny ne peut pas la regarder dans les yeux car il est coupable, sinon pourquoi ne peut-il pas me regarder? J'ai survécu à cet homme. Roy, why can't he look at me? I survived. I survived that man and I'm here and I'm able to look at him. Thank you. Le contre-interrogatoire d'Amber Heard est terminé de cette, et cette avocate Camille Vasquez sait qu'elle a marqué des points sur le camp de Johnny Depp. Pour pouvoir être dans la salle pendant le procès de Johnny Depp et Amber Heard, les gens campent et dorment devant le tribunal. Johnny Depp arrive au tribunal pour ce 18e jour de procès face à Amber Heard avec une rose à la main. Pareil, le bazar qu'il y a quand il arrive au tribunal. Ça crie de partout. C'est ouf. Je ne vais rien sous-entendre, mais l'avocate de Johnny Depp, Camille Vasquez, qui était assise depuis le début du procès derrière lui, est aujourd'hui à côté de lui après son mémorable interrogatoire d'Amber Heard hier. Rocky Pennington, amie d'Amber Heard, est celle qui avait pris ses photos sur demande d'Amber Heard, mais elle n'a pas assisté à des échanges violents avec Johnny Depp. Raquel Pennington, le témoin d'Amber Heard, vient de dire qu'elle n'a jamais vu Johnny Depp la toucher ou lui lancer quoi que ce soit. Josh Drew, l'ancien ami d'Amber Heard, déclare qu'il n'a jamais vu Johnny Depp frapper Amber. Merde. Et il est encore vivant. Whitney Heard, la sœur d'Amber, vient de dire que Johnny Depp a avalé d'un coup le contenu d'un sac rempli de médicaments. Contrairement à Amber Heard, Johnny Depp regarde directement sa sœur Whitney avec le regard du tigre. Whitney, la sœur d'Amber, transpire tellement le bullshit, j'ai hâte que les avocats de Johnny Depp la cuisinent. Donc elle chiait sur le dos de sa sœur tant que Johnny lui payait sa drogue et son loyer. Whitney a admis avoir plaisanté avec Johnny Depp sur le fait qu'elle avait frappé sa sœur Amber Heard. C'est génial ça, écoutez ça. Joking with Mr. Depp about hitting your sister, right? Regrettably over a text message, yes. You were encouraging him to hit her? I was not literally encouraging him to hit her. But you were joking about it. Regrettably, yes. Again, Lex, I did not have an understanding fully of what that was. I never would have said that now, knowing what I know. But that was alleged, that was around the time that you allegedly became aware that he was, that I don't there were know. Injuries on your sister that caused you to have suspicions. I don't know if it was. C'est un peu pour la sœur hein, de se moquer sur le fait que, soi-disant, ton mari te tabasse. Magnifique. Johnny Depp et sa petite phrase au caméraman, j'ai préparé le petit-déj pour tout le monde ce matin, des gaufres. On dirait que l'équipe de Johnny Depp est confiante sur l'issue de ce procès contre Amber Heard. On se croirait vraiment dans Felix Wright au bout d'un moment. Encore une journée de déposition vidéo entre Johnny Depp et Amber Heard. L'ancien business manager de Johnny Depp, Joel Mandel, le mec que Johnny Depp a poursuivi en justice pour détournement en 2018 et qui a dû lui payer plus de 25 millions de dollars, vient cracher sur Johnny Depp pour le compte d'Amber Heard. Comme c'est bizarre. Cet expert des réseaux sociaux, appelé par l'équipe d'Amber Heard, déclare qu'il y avait plus de 1 million de tweets négatifs sur Amber entre avril 2020 et janvier 2021. L'équipe d'Amber est tellement à la ramasse face à l'équipe de Johnny que ça discute hashtag négatif à propos d'Amber. Ils ont rien d'autre en fait. Wow, elle a grave changé, je ne l'ai pas reconnue. L'actrice Ellen Barkin, mais qui sait, a témoigné dans sa déposition vidéo que sa relation avec Johnny Depp était sexuelle et non romantique. Mais c'est qui ? Ellen Barkin ? Elle est connue ? Je sais pas qui c'est. Ou alors je la reconnais pas, comme elle dit, elle a changé. Et si je mets Ellen Barkin jeune? Ah oui, non, elle a un tout petit peu changé. Oui, je vois qui c'est. D'accord. Alors, on en est. Son agent... Ah oui, donc vous vous souvenez hein, quand elle disait que... À propos du script d'Aquaman. Son agent l'a contredit. L'agent de Amber, hein, Jessica Kovacevic... Une serbe. L'agent artistique d'Amber Heard affirme que le manque d'alchimie entre Jason Momoa et Amber Heard a considérablement réduit le script d'Amber dans Aquaman 2. Elle ne s'entendait pas apparemment avec Jason Momoa, et du coup ils ont réadapté le script. SpaceX, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir.
ça c'est pas Pendiaï, ça n'a rien à voir. Alors, elle va reprendre, je crois, un peu plus haut. On dirait ma femme quand elle va au boulot. C'est où? Elle reprend un peu plus haut, La 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 la. Là. Début de la dernière semaine du procès de Johnny Depp et Amber Heard. On est au 23 mai. Ah, et le doigt. Le premier témoin est le docteur Richard Moore, chirurgien orthopédiste engagé par l'équipe d'Amber Heard, qui donne son avis d'expert contre 5 000 $, comme l'a souligné l'avocate de Johnny Depp. Camille Vasquez, l'avocate de Johnny Depp, vient de faire avouer l'expert orthopédique engagé par l'équipe d'Amber qu'il a basé son expertise uniquement sur les documents fournis par l'équipe de Heard, donc pas crédible. Alors lui, c'est trop bizarre. Ils ont le talent pour trouver les experts. Le docteur David Spiegel, engagé par l'équipe d'Amber comme spécialiste pour les patients souffrant de toxicomanie, est apparemment responsable de la mort d'un de ses patients. Je pense que le docteur David Spiegel, engagé par l'équipe d'Amber pour parler des addictions de Johnny Depp, n'a pas l'air super sobre non plus. C'est trop bizarre. Il est trop bizarre. Or, if you... Il est trop bizarre quand il parle. J'ai vu d'autres extraits, je crois qu'on les voit un peu plus haut de toute façon. C'est vachement intéressant en tout cas de connaître le profil des personnes dans le jury. Alors c'est intéressant aussi, il liste les personnes dans le jury, il les liste comme ça. Asiatique mâle, fin vingtaine, début trentaine, avec un masque. Asiatique mâle, milieu vingtaine, pas de masque. Asiatique mâle, milieu trentaine, masque. Caucasien mâle, milieu soixantaine, pas de masque. Okay, bon, bref, vous avez compris l'idée. C'est rigolo comment il les classe. Je pense que Johnny s'est mis la sténographe dans le tribunal, dans la poche. Alors, on n'entend rien, c'est juste qu'on la voit rigoler, la sténographe, il est en train de discuter avec elle. Je sais pas si on les entend. Non, il n'y a pas de son, on les entend pas. Alors, se mettre la sténographe dans la poche, s'il faut relire après le procès, il peut y avoir des trucs qui vont sauter. Johnny Depp a atteint la barre des 18 millions d'abonnés, ça c'est pas grave. La tronche de Johnny Depp et de ses avocats pendant qu'il observe le psychiatre David Spiegel engagé par l'équipe d'Amber Heard. C'est trop bizarre, il fait des mouvements trop bizarres avec sa bouche. Do I have to answer that question, Your Honor? You have to answer questions, yes, sir. C'est trop bizarre. C'est trop trop bizarre. Camille Vasquez, l'avocate de Johnny Depp dans son procès contre Amber, est devenue une star qui a droit à son propre service de sécurité. Le clin d'œil à Amber Heard, donc le caca d'Amber, d'une femme qui est devant le palais de justice à Fairfax et qui attend le passage de Johnny Depp. Amber Heard arrive au tribunal pendant que les fans de Johnny Depp hurlent « Amber Heard ». C'est ouf. L'arrivée de Johnny Depp est plus douce que celui d'Amber, et sa phrase du jour au caméraman « Je pense qu'il pourrait pleuvoir ». L'ambiance est totalement différente. L'ambiance est un tout petit peu différente. Parjure, Amber a affirmé sous serment qu'elle avait perdu son contrat avec Warner, mais Amada, témoin de Johnny Depp et producteur pour Aquaman 2, a déclaré que cela est faux et qu'elle a même reçu une augmentation. Pourquoi ? C'est le truc, c'est que tu vois qu'il n'y a rien qui tient parce que pour couvrir des petits mensonges ou un truc ridicule et t'inventes d'autres mensonges de plus en plus gros pour qu'en bas ça tienne. Mais le problème, c'est que les mensonges sont de plus en plus ridicules et ils sont faciles à démonter. Et du coup, si tu commences à démonter en haut, bah y a tout qui s'effondre en fait et il n'y a plus rien. Contrairement à ce qu'on a entendu dans le cirque d'hier, Walter Amada, qui est le témoin de Johnny Depp, mais surtout le président du DC Film, affirme qu'il n'y avait pas une bonne alchimie entre Amber Heard et Jason Momoa. Walter Amada affirme que si le rôle d'Amber a été réduit ou des discussions de la virée d'Aquaman ont eu lieu, c'était dû au manque d'alchimie entre Jason Momoa et non à son affaire avec Johnny Depp. L'ancien proprio de Hicksville Trailer Palace, Morgan Knight, explique qu'il a vu Amber gueuler sur Johnny et il s'est écarté car ça a réveillé chez lui un trauma.
car il a vécu des relations émotionnelles abusives. Il était recroquevillé et semblait presque effrayé. Morgan Knight décrit le comportement de Johnny Depp lorsqu'il était avec Amber dans son établissement à Hicksville. Le jour et la nuit entre les deux psychiatres, le docteur Shaw, le psychiatre de Johnny Depp, parle du témoignage du docteur Spiegel, le psychiatre dingo d'Amber Heard, hier. Il a violé les principes basiques de la psychologie et de l'éthique et de la médecine. Le site TMZ, qui a diffusé la vidéo d'Amber Heard filmant en caméra cachée Johnny Depp en colère dans la cuisine, vient de déposer une requête en urgence pour protéger la personne qui leur a vendu la vidéo, même si on sait tous qui leur a fourni la vidéo. Le visage de Whitney, la sœur d'Amber Heard, qui est dans la salle lorsqu'elle entend son ancienne meilleure amie, Jennifer Howell, témoigner pour dire qu'elle n'a jamais vu Johnny Depp ivre et qu'elle n'a jamais vu et qu'elle ne l'a jamais vu abuser d'Amber Heard. Après, c'est là. Aujourd'hui, ça va être super intéressant. Johnny Depp va prendre la parole. Son ami ex, la top modèle Kate Moss, va parler pour lui. L'ex-employé du site TMZ, Morgan Tremaine, va prendre la parole pour savoir qui, du côté d'Amber Heard, a vendu des vidéos. Et là, on est le 25 mai. On est hier, à la date où j'enregistre cette vidéo. Alpaca, dinosaur, all kind of stuff, it's like paradise. On dirait que Johnny Depp a vu son arrivée et les fans déguisés devant le tribunal, toujours en écoutant de la bonne zik reggae dans sa voiture. Ah oui, il sort avec de la grosse musique reggae à chaque fois. Et je vous invite à regarder si vous voulez voir. Le top modèle et ex-petite amie de Johnny Depp, Kate Moss, est la première témoin à être appelée. Son intervention était super courte, juste pour mettre fin aux fausses rumeurs d'Amber Heard sur elle à propos de son accident de dos en Jamaïque. Amber Heard l'avait dit qu'il avait brutalisé son ex, qu'il l'avait même poussé dans les escaliers et que c'était pour ça qu'il l'avait quitté. Je paraphrase, mais grosso merdo, c'était l'idée. Quand tu vois le sourire de Johnny Depp pendant qu'il regarde son ex Kate Moss sur l'écran, tu te dis qu'à la fin du procès, le gars va faire un tour en Angleterre. En gros, elle dit que non. Écoutons un petit morceau. A rainstorm, and as I left the room, I slid down the stairs and I hurt my back. How did you... And I apologize, Ms. Moss, please continue. And I screamed because I was because I didn't know what had happened to me and I was in pain. And he came running back to help me and carried me to my room and got me medical attention. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? No. En gros, elle explique qu'elle est juste tombée dans les escaliers. Elle a hurlé parce qu'elle s'était fait mal. Johnny Depp a accouru, l'a portée dans son lit et lui a fait les premiers secours. Enfin, lui a apporté des médicaments pour calmer la douleur, ou j'en sais rien, mais ce genre de choses. Qu'il ne l'a jamais tapé, qu'il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là. Et Johnny Depp est très content de ce témoignage. Et aussi, que la vérité soit rétablie. Avez-vous déjà pris, celle-là elle est drôle, avez-vous déjà pris 8 à 10 pilules de MDMA à la fois, comme l'affirme Amber Heard? Elle a affirmé que Johnny Depp des fois prenait 8 à 10 pilules de MDMA. Johnny Depp il dit non, l'avocate fait pourquoi? Parce que je serais mort, et c'est, elle est trop marrante celle-là. Have you ever consumed 8 to 10 MDMA pills at once? No, ma'am. No, I have not. And why is that? Because I'd be dead. I'm pretty sure I'd be dead. I think one would die. Yes. Son expression de comment il dit ça, je serais mort. Elle est incroyable. Johnny Depp, aucun être humain n'est parfait, mais je n'ai jamais commis de violence sexuelle ou d'abus physique. Peu importe l'issue, je suis venu ici et j'ai rétabli la vérité. La juge a rejeté la requête déposée par TMZ pour empêcher leur ancien employé de témoigner pour Johnny Depp. Après le lunch, il va pouvoir donner des infos de la provenance et le vendeur de la vidéo où l'on voit Amber Heard filmer Depp dans la cuisine. Et là, d'un coup... Oh shit. C'est trop ça. Mais il faut en faire une série. Hein. Mais une série un peu humoristique à la Phoenix Wright. C'est chaud les échanges entre Johnny Depp et Ben Rottenborn, qui représente Amber. Depp se fout directement de sa gueule.
Imaginez, hein, ça c'est ce que Kunta van den Kinte, ce profil Twitter, a remonté. T'imagines, ça a duré des jours entiers. Le nombre de trucs croustillants dans tous les sens. Faudrait vraiment faire un résumé, mais c'est ingérable. Ingérable. Et comme j'ai déjà dit, j'ai parcouru des dizaines et des dizaines d'articles francophones. Il n'y a rien. Il n'y a rien de ces étincelles, de ces croustillances qui sont relevées par ce fil Twitter. J'ai regardé ce truc comme une série Netflix. L'expert en métadonnées interrogé par l'équipe de Johnny Depp explique pourquoi il pense que les photos d'Amber Heard avaient été modifiées avec un logiciel. Et il explique tout simplement qu'on le voit dans les exifs de l'appareil photo. Que c'est plus les exifs de l'appareil photo. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que faudra attendre un peu. Peut-être qu'elle fera la suite. J'espère qu'elle fera la suite. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion sur ce procès dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, à partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve pour d'autres aventures.